Alléluia. Et le message est venu
entre à l'île le matin à 5h. Je rappelle que la maison de prière a une prière de 5h du matin. Soyez dans cette prière-là. Cet enseignement est venu en 3 jours de suite à 5h du matin. Je dis, parle de l'intégrité, parle de l'intégrité. Je veux parler aujourd'hui de l'intégrité, la valeur sûre ou la perle de l'intégrité. La chose que l'enfant de Dieu doit rechercher. Vous voyez les problèmes en Afrique? Vous voyez les problèmes partout parce que les gens manquent l'intégrité. Il n'y a plus de gens intègres. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, chaque mot a une signification. C'est pourquoi qu'on parle la Bible dans sa langue est extrêmement important. Chaque mot de la Bible est placé pour un but, pour qu'il soit compris. Alléluia. Dieu a dit expressément, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Comme la langue est importante, je vais un peu expliquer en la route. Qu'est-ce que la route parle, qu'est-ce que la route donne comme définition et qu'est-ce que moi, spirituellement, je conçois comme décision par rapport à l'intégrité. Alléluia. La route dit c'est l'état de quelque chose qui conserve, qui se conserve sans altération. Quand on dit altération, pas sans s'abîmer. Alléluia. Sans l'altération de ses qualités qui garde son état original. Quelque chose qui est intègre garde son état original. Quand vous allez en physique, quand je dis que je vais prendre là, c'est mon choix est intègre, c'est-à-dire quand c'est 4 carrés, il est comme il est. Quand je fais ça, il est désintégré, il n'est plus intègre. Et dans l'homme, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Il y a un élément qu'on dit cœur qui doit être toujours intègre. Le cœur doit être toujours intègre, en entier, pour l'éternel. Alléluia. Quand vous allez lire dans d'autres versions, il dit, Dieu dit, marche devant ma face et sois irréprochable. Un cœur intègre, c'est un cœur irréprochable. Il y en a qui me disent, non, c'est pas possible. Oui, c'est possible parce que la Bible dit. Alluia. L'Esprit dit, là-bas, il y a autre aujourd'hui. Là. Parce que sans intégrité, tu ne vois pas Dieu. Tu perds le temps. Tu joues à la loterie. Dieu, c'est pas la loterie. Dieu, c'est la vérité. Alluia. Amen. Vous savez qu'il y a un texte qui est, qui me connaissent, que je viens de me dire, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Celui qui garde son cœur demeure intègre. Alléluia. Et les intellectuels vont dire intégrité. Quand on dit intégrité intellectuelle, c'est quelqu'un qui garde ses capacités. Jusque, par exemple, un vieillard, par exemple, qui raisonne bien, on va dire, ah, il a gardé son intégrité intellectuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a rien perdu de sa mémoire, de sa capacité de raisonner. Alléluia. Amen. Alors, dans nous, ce qui concerne, vous voyez que l'altération, dans l'altération, il y a des mots qu'on appelle la corruption. Vous voyez un peu de voiture, qu'est-ce qu'il y a mis la rouille ici? La rouille, c'est une corruption des métals. La même chose, le cœur de l'homme ne doit jamais être rouillé. Il doit toujours être gardé à l'état pur, être intègre, irréprochable devant Dieu. Alléluia. Alors, on marche comme un rang d'Akaya. Une autre définition. On peut voir, c'est quelqu'un qui a la probité. Vous entendez pas quelqu'un qui a la probité intellectuelle. Donc, c'est quelqu'un qui marche sur les principes. Quand on dit, c'est pas comme on parle dans notre pays, on appelle un intellectuel pour une université, mais qui va changer la constitution. Ça, c'est pas un professeur d'université. Tu peux faire des diplômes, avoir des doctorats. Si tu n'es pas intègre intellectuellement, les intellectuels ne vont pas te considérer intègre. Vous comprenez un peu? La même chose spirituellement. Les mots montrent que quand le cœur est gardé pour Dieu, le cœur est en entier, il est intègre et c'est précieux devant Dieu. Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Dieu dit ça dans quel contexte? Dieu dit ça, vous savez, connaissez la Bible. Et Abraham, Dieu l'a appelé, il a obéi. Il a marché devant la face de Dieu. Vous allez voir que Genèse 13 jusqu'à 17, Abraham a commis combien de péchés? Alléluia. Abraham a commis combien de péchés? Hein? Alléluia. 3. Amen. Le premier, il a menti à cause de la peur des Égyptiens. Le second, il a menti à cause de la peur chez Gerar, chez Abimelech. Et le troisième. Alléluia. Il a accepté le cadeau empoisonné de sa femme.
d'avoir des enfants avec elle, la servante. Et on paye les prières jusqu'aujourd'hui. C'est après seulement passé les 7 Dieu dit maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Et depuis Abraham, il n'est jamais retourné. Il n'a jamais fait de péché, inhabituel. Alléluia. Quand on ne vous trompe pas, vous pouvez vivre une vie chrétienne sans péché. Alléluia. Mais c'est ce que je dis là. Hein? Mais Jean 1 dit, c'est lui qui n'a pas dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Allons appeler dans Jean 2. Il faut comprendre un peu la Bible. Alléluia. Tu peux vivre une vie chrétienne sans habitude de péché. Je te serai béni. Et ne fais pas de la pratique de péché ta vie. Parce que quand tu as le péché dans le cœur, ton cœur n'est plus intègre. Il est corrompu. Le péché, c'est corrompu. C'est comme la rouille. C'est pourquoi celui qui pêche, qui ne se répand pas, la corrosion continue jusqu'à ronger son cœur complètement. On s'appelle, en termes spirituels, l'endurcissement spirituel. Faites attention à ça. C'est pourquoi il faut aimer la réprimande. Si tu n'aimes pas la réprimande, ton corps va se corrompre. Et ça sera donc, et ça peut te retourner. Quand la rouille est dans l'auto, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? C'est nous qui connaissons un peu la mécanique. Nous coupons. Tu coupes tout. Je ne suis pas mécanicien, mais c'est mon hobby. On coupe toute la partie qui est rouillée. On colle une autre partie. C'est ce que Dieu fait avec la circoncision du cœur de l'homme. Alléluia. 1 Jean 2, verset 3 à 5. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, versets 3 à 5, je lis la parole du Seigneur. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Comment Jésus a marché? Avec péché? Non, sans péché. Alléluia. Par le Saint-Esprit, tu peux tendre vers ce but. C'est pourquoi ton cœur va rester intègre. Il ne suffit pas d'avoir la foi, parce que marcher, d'avoir la foi de Dieu, c'est avoir la foi. Mais ta foi doit être basée sur l'obéissance. L'obéissance te garde l'alliance. L'intégrité te garde l'alliance avec Dieu. Retournons un peu dans Genèse 17. Vous voyez que quand Dieu dit au verset 1, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2, j'établirai mon alliance avec toi et je t'ébriterai à l'infini. Alléluia. Sans intégrité, il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Qu'on vous tombe pas. C'est quoi un homme intègre, même dans la société où nous sommes, va construire. Un homme intègre va attirer les gens vers lui. Un homme intègre va être la personne qui peut être représentant des gens. Alléluia. Parce que si vous avez que tel politicien n'est pas intègre, est-ce que vous allez le voter? Amen. Il y a une qui a payé les prix aux États-Unis un peu. Alléluia. Hein? Quand je disais à mes enfants, juste un témoignage, toutes les campagnes américaines, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne regardes rien, tu ne commentes rien. J'ai rien, je ne connaissais même pas ce qui s'est passé. Le jour du vote, j'étais à genoux, et puis je me mets debout sur mon ordinateur, il y avait la photo des deux candidats. C'est à gauche. Et je monte au salon, je dis à Moïse, c'est Trump qui va être président. Et les gens peuvent chanter, peuvent frapper. Moi, je sais que lui, aussi, il va défendre les chrétiens. Je sais aussi qu'il ne va pas laisser que les chrétiens soient. Et on tue les chrétiens partout, la personne ne parle. Hein? Revenons sur le sujet. Alléluia. Amen. Comme il est élu, on va faire quoi? On va prier pour lui. Il n'y a pas le choix. Alléluia. Et le monde va passer. Après 8, 5, 4 ans, ça va passer. Alléluia. Ne vous laissez pas trop distraire par ces choses-là. Alléluia. Nous prions. Dieu va les guider. Et Dieu va les guider vers les bonnes choses. Parce que je crois que c'est. Il y a quelque chose que Dieu va faire à travers cet homme qu'on prend comme les gens croient qu'il est imbécile. On ne peut pas être imbécile et puis construire un empire financier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il a ses défauts. Et nous allons prier que ses défauts ne prédominent pas, que c'est la valeur de ce qui est pur prédomine dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, le cœur intègre, c'est un cœur qui aime la vérité, nous venons le voir. C'est un cœur qui demeure à Dieu. Toi, enfant de Dieu, aime la vérité. N'altère pas la vérité.
Sois quelqu'un qui demeure dans la vérité. Garde ton cœur. Ton cœur, si nous ne comprenons pas, c'est ton esprit. Ton vrai toi doit être gardé. Il ne doit pas être corrompu. Il ne doit pas être ici à mensonge, ici à vérité, ici à mensonge, ici à vérité. Non, c'est qu'il est désintégré. Il n'est pas intègre. En physique, quand on dit intègre, c'est quelque chose qui est entier. Qui est entier. Ton cœur doit être entier à Dieu. Alléluia. Nous allons voir que tout le monde qui a fait la différence dans la Bible étaient des gens intègres. Alléluia. Vous allez voir dans Genèse 5, on vous parle d'Enoch. Dans Genèse 6, on vous parle de Noé. Et dans Genèse 17, on vous parle d'Abraham. Le mot intègre. Dans le texte de Job, vous allez voir que le mot intègre dans les deux premiers chapitres revient 4 fois. C'était des gens intègres. Vous allez comprendre pourquoi je les cite tous. Alléluia. Amen. Donc, toi, enfant de Dieu, quand on dit qu'Enoch a été enlevé, il a marché avec Dieu, mais parce qu'il a été intègre parmi une génération qui n'était pas intègre. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de ses enfants intègres même pour faire la différence dans la société. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous comprenons par là que moi, comme enfant de Dieu, je vais faire en sorte que je sois intègre. Prenons le cas de Noé. Le monde de Noé, comme vous avez dit dans le chapitre 6, le titre c'est la corruption du genre humain. Donc le péché était à son summum. Les gens vivaient comme ils voulaient vivre. Mais lui, il a fait la différence. Il n'y avait pas de loi de Dieu. Il y avait juste la loi de la conscience. Alléluia. Il savait marcher avec Dieu et être intègre. Alléluia. Notre lecture va nous lire aujourd'hui. Genèse 6, verset 8 à 9. Alléluia. Et puis on va aller dans les principes maintenant. Genèse 6, verset 8 à 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Était un homme quoi? Juste et intègre. Droit et intègre. Alors, on va expliquer tout ça après. Là. Amen. Et il faisait quoi? Il marchait avec son Dieu dans son temps. Dans ces temps-là, les gens étaient pervers. Dans ces temps-là, même les anges ont eu des enfants avec des hommes. C'était un temps de méchanceté incroyable. Je me dis des anges déchus des démons. Alléluia. C'était un temps pervers. C'est le temps où il faut faire la différence. C'est comme le temps où nous sommes. C'est le temps où toi, enfant de Dieu, tu dois faire la différence. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je reviens encore sur Trump là. Quand j'ai vu les vidéos, comment est-ce qu'elle était complète pour prophétiser sur lui, prier pour lui. Je crois qu'il n'est pas né de nouveau. Mais il est allé quand même les églises pour qu'on prie pour lui. Il n'a pas eu honte pour le film que les gens étaient premiers. Qu'elle était prophétiser sur lui, c'est le prochain président. Vous voyez un peu? Mais cet homme-là, je ne sais pas pourquoi Dieu l'a choisi. Peut-être ses phrases ne sont pas. Peut-être la vérité, il dit la vérité, qui forme la vérité, tout le monde est caché dans le cœur. Alléluia. Mais nous verrons ce qu'il va être. Moi, je suis sûr qu'il est intègre par rapport à sa rivale. Par rapport à ce que nous avons vu dans d'autres pays, par exemple. Amen. Je ne vais pas entrer en politique. Alléluia. Amen. Juste pour nous dire simplement que Noé fait la différence. C'est un temps compliqué. C'est pas le temps de jouer, c'est le temps de marcher intègre. Donc tu marches et tu demeures intègre. Mais beaucoup marchent et ne sont pas intègres. Amen. Beaucoup prient et ne sont pas intègres. Amen. Beaucoup louent et ne sont pas intègres. Amen. Amen. Il faut être intègre. C'est-à-dire que ton corps est entier à Dieu. Et tu fais ce qui est correct devant Dieu. Amen. Ça veut dire que tu as dans ton cœur le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui rend témoignage à ton cœur que tu es enfant de Dieu, c'est lui aussi qui te dit tout le temps, là tu as mal fait, là tu as bien fait, là tu as mal fait. Donc, celui qui manque de l'intégrité écoutera la voix du Saint-Esprit tout le temps, même à sa défaveur. Amen. Alléluia. Quand c'est Dieu qui a dit, ah, même si Seigneur, je croyais qu'il avait raison, si c'est Dieu qui a dit, je fais quoi? Je me range. Noé, Dieu l'avait dit de construire un arche. Il a oublié. Les gens se sont mariés. Il était obéissant.
Et jusqu'au jour marqué, les gens étaient étonnés, lui avec sa famille était sauvée. Alléluia. Nous prenons encore l'exemple de notre juge Lot. Lot vivait à Sodome et Gomorre. Tout autour de lui, c'était péché. Alléluia. Mais lui, il était, la Bible appelle l'homme le juste de l'autre. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle le juste de l'autre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait gardé l'intégrité malgré la perversion qu'il y avait autour de lui. Il a refusé que ce qui est de l'extérieur, ce qui est du monde, ce qui est de la perversion, ne va pas entrer à moi. Moi, je vais garder mon cœur intègre. Ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est de louange, c'est ce qui va être dans mon cœur. Alléluia. Donc, c'est une volonté que tu décides. C'est toi qui décides d'être intègre. Alléluia. Amen. Comme ça, Dieu peut te faire confiance comme il a fait confiance à Abraham. Dieu peut te faire confiance comme il a fait confiance à Noé. Dieu peut te faire confiance comme il a fait confiance à Enoch. Enoch a été enlevé. On l'a plus vu parce qu'il marchait avec Dieu et qu'il était intègre. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les politiciens au Congo, les opposants au Congo, vous dites, mais il n'y a pas déjà intègre. On voit que tous cherchent des repentes. Même dans cette matière-là, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de famille. Quand il s'agit des choses justes. Vous comprenez un peu? Quand vous voyez un pays comme celui-là, riche, qui est le dernier pays au monde aujourd'hui, c'est le PIB. Et puis tu comptes. Non, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de famille. Tu dois dire aux gens ce que vous faites. Un homme intègre, c'est différencier des autres en disant, en appelant le mal, mal, les bien, bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le premier principe que nous voyons aujourd'hui, l'intégrité est une valeur sûre devant Dieu parce qu'il conduit au salut. Amen. Amen. Si tu l'es, tu marches avec Dieu, tu n'es pas intègre, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Enoch a vu Dieu. Noé a vu Dieu. Alléluia. Et Abraham a vu Dieu. Job, malgré, on va beaucoup parler de lui aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas lire ce livre-là. Mais j'ai aimé ce livre-là ce jour ici. Alléluia. C'est tellement d'enseignement le livre de Job. Malgré la précarité, il est demeuré intègre. Et sa femme lui dit, et tu demeures ferme dans ton intégrité. Mon Dieu meurt. Il est resté intègre. Alléluia. Et la fin, c'est quoi? Il était sauvé, il était restauré. Alléluia. Donc, il conduit, c'est-à-dire que la fermeté exige la fermeté. Tu ne peux pas dire être intègre et puis être lousse avec les choses du monde, avec les gens de l'extérieur. Non, tu dois être ferme. Alléluia. Daniel prophétisant en ces temps, il dit le peuple, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Je ne parle pas de la méchanceté, je parle de la fermeté. C'est-à-dire que ce qui est par rapport à la parole de Dieu, je reste attaché à ça. Amen. 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 Quand il faut pardonner, tu dois pardonner avec fermeté. Quand il faut oublier, tu dois oublier avec fermeté. Quand il faut fuir avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est une valeur très sûre. Donc, si moi, je m'imagine que, ah non, moi, je marche avec Dieu. Moi, j'ai beaucoup de dents. Hein. Non, non, tu n'iras pas Dieu. Il faut être intègre. Nous dans la grâce, on est favorisé parce que quand je me désintègre un peu par un péché, je fais quoi? Je me repens vite. Faut pas attendre le lendemain, faut pas attendre. Non, je me repens. Je fais du mal à autrui, je vois. Je cours vite. Je vais demander pardon. Ça brise l'orgueil, ça évite, ça te fait monter les escaliers. Alléluia. Le diable malin sait que si je vais freiner celui-là, c'est ce moment. À l'empêcher à demander pardon, juste une petite chose comme ça, je vais le maintenir. Mais ce que Dieu a déjà pour toi, plus grand que ces démarches d'aller demander pardon à quelqu'un, c'est rien ça. Et Dieu, c'est le menteur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On peut voir que sans intégrité, on ne peut pas voir Dieu. Donc, c'est une valeur sûre du salut. Tous ceux qui ont vu Dieu ont été intègres. Amen. Alléluia. Donc c'est les gens qui craignaient Dieu, c'est les gens qui faisaient du bien, c'est les gens qui souffraient à cause du péché qui était autour d'eux, les mal qui étaient autour, les faisaient souffrir. Hein? Les faisaient souffrir. Le week-end, il me déchirait contre un ami là, mais je lui dis, c'est Mathieu de la chambre, je suis devenu chrétien. Toi, tu te souviens bien de moi. Hein? Parce qu'il mange au pouvoir là, mais écoute, moi j'ai publié quelque chose sur le Congo et puis il fait un commentaire. Oh, je lui dis, c'est les États-Unis, pourquoi tu dis qu'on y a publié sur le Congo? J'ai dit, mais parce que tu manges à la marmite là-bas, moi je vais oublier mon pays à cause des troupes qui sont partis aux États-Unis. Amen.
Alléluia. Amen. Tu dois être touché par ce qui se passe autour de toi. Quand les gens sont malades, quand les gens sont troublés, quand il y a les pauvres, partout les pauvres fusillés dans le quartier, quand il n'y a pas de travail, quand il y a une crise économique qui arrive, un homme intègre souffre, il fait quoi? Il intercède. Un homme intègre, c'est, il cherche. Noé a parlé aux gens de son temps tout le temps. Faites attention, Dieu va le tuer. Il ne s'est pas fatigué. Jusqu'à ce qu'il est entré au bateau. Toi, tu dois être fatigué et dire aux gens que ce que vous faites n'est pas bon. Je suis les chrétiens. Entre nous, ça c'est l'enseignement qui va suivre, juger ou ne pas juger. C'est dans 3 semaines. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ah, il ne faut pas me juger. Non. Des fois, on doit te juger dans la Bible. Si tu es dedans, si tu es dehors, on ne te juge pas. Alléluia. On va parler de ça demain. C'est un enseignement très, très profond que j'ai prévu depuis plus de 4 ans. Chaque fois, j'oublie les donner. Je vais aller dans les petits enseignements comme ça, les 3-4 dimanches pendant ces temps ici. Alléluia. Amen. Donc, c'est une valeur sûre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le deuxième principe que nous voyons, l'intégrité n'est pas une bénédiction, mais c'est un principe de vie qui conduit à la matérialisation de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, il a dit avant, marche devant ma face et puis je te multiplierai après. Mais Abraham n'a pas vu cette multiplication. Mais jusqu'à ce qu'il est demeuré intègre jusqu'à la naissance de qui? De Isaac. Et la bénédiction d'Abraham s'est accomplie aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Ça dit que c'est quand tu es intègre et tu, c'est un principe de vie. Un principe qu'on ne joue pas avec. Alléluia. Tu sais, ça c'est ma... Moi, pour ce qui est de l'intégrité, je vais demeurer intègre. Aucune circonstance, aucun individu, aucune personne familiale, ni mon mari, ni ma femme, mon job. Non. Job, sa femme l'a dit de maudire, hein? Dieu, elle meurt. Comme toi là-bas, on te dit, on est allé partir au gouvernement, vole la caisse. La femme dit de voler. Non, tu dis, je ne vole pas. Hein? Voyez un peu ce qui se passe maintenant au Congo. Les gens sont en train de voler, vite même les chefs dans les bureaux, parce que le gouvernement va changer. Voyez un peu, c'est des choses bêtes qui se passent dans ces pays-là. Et puis quand Trump vous dit la vérité, vous dites qu'il est raciste. Il n'est pas raciste, il vous a dit la vérité. C'est pour vous réveiller. Vous réveiller. Alléluia. Amen. C'est pour vous réveiller. Alléluia. Amen. C'est des principes de vie qui conduit. Donc, moi, quand je suis intègre, je veux demeurer intègre, quoi qu'il me coûte, tous les temps dans ma vie. Amen. Abraham, comme après Genèse 17, il est demeuré intègre dans toute la ligne. Alléluia. Jusqu'à recevoir sa bénédiction. À un moment, il disait même, Seigneur, serviteur sera mon héritier. Dieu dit non. Non, c'est pas lui qui sera son héritier. Après, quand il dit que Sarah va avoir un enfant, il dit non, c'est Ismaël qui est Ismaël vivre devant ta face. Alléluia. Mais Isaac était né. Quand tu es intègre, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. On peut rire de toi aujourd'hui, on peut rire de toi demain, on peut raconter tout ce qu'on veut sur toi. Amen. Si tu demeures intègre, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le principe que nous voyons. Prenons un peu. Esaïe 48, verset 18. Esaïe 48, verset 18. C'est à dessein que je vous montre, je vous donne ce texte-là. On va vous expliquer pourquoi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 48, verset 18, je lis au nom du Seigneur. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Amen. Alléluia. Donc, si tu étais, Dieu s'exclame, il parle à Israël, il te parle à toi. Amen. Parce que beaucoup croient, non, c'est la prière qui va me bénir, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Et non, d'abord, l'intégrité et le reste sera utile. Celui qui intègre, prie, il obtient la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui prie beaucoup et n'est pas intègre, c'est comme quelqu'un qui laboure dans l'eau. Il tire la hache dans l'eau, il dit retire quelque chose. Il n'y a rien. Alléluia. Nous voyons ici, oh, Dieu t'exclame, il dit, si tu étais attentif à mes commandements, parce que celui qui intègre, on l'a vu, est attentif aux commandements de Dieu, obéit aux commandements de Dieu, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme le flot de la mer. Alors, nous voyons maintenant que c'est l'obéissance, c'est déjà il y a quelques mois, ou il y a une année.
Ton obéissance, c'est elle qui causait la bénédiction. Alléluia. Quand tu es obéissant, mes bien-aimés, les sorciers, les gens qui veulent te faire du mal, tous ceux qui peuvent t'imaginer, si toi tu demeures obéissant, avant même que tu aies prié, tu as déjà la protection de Dieu. Il y a un grand pasteur, qui était un grand sorcier, qui disait, mais les gens qui marchent droit là, même ceux qui ne prient pas, c'est difficile pour nous pour les tuer, pour les avoir. Amen. C'est très difficile. L'intégrité de protéger, on dit intègre, c'est-à-dire que tu restais protégé aussi. Alléluia. Voyez pourquoi on répète ces messages-là? C'est pourquoi on ne vous trompe pas. Quand les dons arrivent, beaucoup de choses vont s'effacer si vous allez le voir. Amen. Et puis, Dieu vous a fait du bien et tout ça. N'oubliez jamais que Dieu, c'est qui l'intéresse. Qu'il puisse vous voir. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Parce que si tu n'es pas intègre, Dieu ne te voit pas. Il ne te voit pas. Tes péchés te couvrent. Les prières te couvrent. Il ne te voit pas. Alors, tu multiplies les prières, mais Dieu ne voit pas. Ah non, les jeunes, des 100 jours, et puis on te donne le nom, les frères 100 jours. Mais Dieu ne voit pas. Alléluia. Amen. 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 Troisième principe, l'intégrité n'est pas un don, mais une volonté absolue de l'homme de faire la volonté de Dieu. C'est toi qui décides, moi, je vais être intègre. Amen. Non pas mes pensées, tes pensées, Seigneur. C'est qui est de toi, moi je vais l'obéir. Il ne s'est pas compliqué, c'est dans la Bible. Quand je vais faire quelque chose, Jésus, c'était toi, tu ferais quoi? Si Jésus dit, hey, tu vas lire ça dans la Bible, c'est que Jésus ferait, tu le fais par la foi. Volonté absolue. Les chrétiens doivent être caractérisés par une volonté. C'est qui a caractérisé Enoch? Pourquoi il y avait beaucoup de gens à l'état d'Enoch? Pourquoi Enoch, lui, il a marché avec lui? 350 ans, il a marché avec lui. Et puis, il fait quoi? Il a été enlevé. C'est quelqu'un qui a commis aucune méchanceté. Quelqu'un qui a marché dans les choses qui étaient juste devant lui. À l'époque, il n'y avait pas de loi. C'est comme notre époque aujourd'hui. Nous sommes dans la période de la grâce. Alléluia. C'est un enseignement légaliste. Non, ce n'est pas un enseignement légaliste. C'est un vrai enseignement de Jésus-Christ. Sans obéissance, tu ne demeures pas dans l'alliance avec Jésus-Christ. On a vu ça dans Jean 2. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'a marché Noé. C'est comme ça qu'a marché Abraham. Alléluia. Amen. Ils avaient une volonté absolue. C'est toi qui décides. Moi, je vais être intègre. Je ne peux pas mentir sur les gens. Je ne peux pas fonder une histoire. Je ne peux pas chercher à nuire. Je ne peux pas chercher à même dans une situation où je suis près de la mort. Je ne peux pas mentir pour me sauver. Amen. Je vais mourir pour la vérité. Alléluia. Je ne peux pas dire, ah non, ah ben, si j'ai... Et mon cousin est devenu ministre, bon. Là, Kabila fait du bien au Congo. Là, tu as des problèmes, mon frère. Ce pays-là, les gens disent 90% des chrétiens, moi je ne crois pas. Je crois que tu es sur 10%. Amen. Tu pèses mes mots, hein. Tu pousses pas. Même les gens là, ils sont à la chair en train de prêcher, mais quand ils ont des autres choses, l'homme interne n'a rien à cacher. Amen. Sa vie est comme ça, là. Amen. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, volonté absolue. Les jeunes gens, on vous trompe aujourd'hui, on dit, hein, la jeunesse est difficile, elle est passée, il dit non, les jeunes, il faut les accommoder comme ça. J'ai accompagné mon fils est David à une réfection à Ottawa, et puis j'arrive quelque part, et là, je l'accompagne, je dis, oh, petit, ça c'est qui ça? C'est les gens qui vont chanter avec toi? Ah, papa, ici, là, les jeunes, ici, ils ne sont pas sérieux, au Congo, j'ai vu les jeunes étaient sérieux. Vous comprenez un peu? Parce que les jeunes, parce que quoi que? Le groupe des jeunes, là, c'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire, le groupe des jeunes. Je vous m'explique. Il n'y a pas l'évangile des jeunes. Il y a l'évangile de Jésus-Christ pour tout le monde, de l'âge de leurs enfants jusqu'à l'âge adulte. Il n'y a pas d'amadouation, déjà, amadouer les jeunes. Non, les jeunes, eux-mêmes, dans la Bible, Jean dit, vous êtes forts. L'évangile était tenu par des jeunes gens forts. Non, non. Et ils peuvent faire comme ils veulent, ils peuvent s'habiller, faire des choses comme le monde. Donner le temps au temps. Je dis à une maman, là, je suis allé prier pour son fils qui avait un esprit de mort. J'ai prié, puis il dit, mais il faut qu'il vienne à l'église. Ah, pasteur, il faut lui laisser le temps. Je dis, la dernière fois que tu me vois ici, c'est ça. Laissez le temps. Même il dit de contraindre. Toi, dis maman, tu dis à ton fils, tu vas les répéter tous les dimanches, tu dois venir jusqu'à ce qu'un jour, ça va faire des clics dans sa tête. Amen. Si tu trouves que c'est normal, mais après tu vas pleurer.
Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. C'est le même évangile. Joseph, là, il a demandé à l'âge de 17 ans. Il était jeune, il était intègre. Intègre, je vous dis. La femme de son pendant vous les tenez. Dans l'intégrité, l'a fait échapper. Il était jeune. Alléluia. Amen. Amen. David, quand il était loin de Dieu, il était jeune. David, quand il allait combattre Goliath, il était jeune. Alléluia. Donc, c'est une volonté absolue des jeunes gens de dire, moi, je vais être intègre. La loi de Dieu est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je vais y obéir. Je vais être quelqu'un qui craint mon Dieu. Pas pour montrer à quelqu'un que je crains mon Dieu, pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrième principe que nous voyons, Dieu ne peut pas marcher, Dieu ne peut marcher avec celui qui est intègre, car il inspire confiance. Celui qui est intègre inspire la confiance de Dieu. Quand, tu vois, Dieu a parlé à Abraham, et après il a dit, je ferai alliance avec toi. Dieu a testé Abraham, il a testé son intégrité, il a testé son obéissance, il a dit à Abraham, prends même le fils même qui est, va le sacrifier. Est-ce qu'Abraham a hésité? Yeah, il allait couper la tête du petit. Rapidement. Alléluia. La crainte. Donc, un homme intègre, il inspire confiance en Dieu. Et il inspire confiance sur les partenaires. Si vous êtes même en affaires, vous êtes dans d'autres choses, vos gens ne sont pas intègres avec qui vous travaillez. Est-ce que les affaires vont marcher? Non. Non. Pourquoi les Congos là, avec tant de richesses, il y a des gens qui sont qui ont des milliards. Et le budget du gouvernement est de 4 milliards, c'est vrai. 4 milliards. 4 milliards. Mais je suis sur la chair, je ne peux pas dire des choses, je ne peux pas dire des choses, mais je suis forcé des fois à dire l'injure est là, mais ça ne peut pas sortir, parce que je suis chrétien. Mais c'est grave, c'est très grave, c'est très grave. Parce que les gens n'ont pas, depuis leur jeunesse, pas tous les gens là, vous allez voir, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués, ils étaient enfants. C'est des gens qui venaient des. Donc, tous n'ont pas la notion des autres. Parce que la République, c'est les autres. Tu égales les autres. Si ton voisin n'est pas bien, toi, tu ne seras pas bien. Il va t'envier tout le temps. Le jour où il y aura des troubles, il va faire quoi? Il va venir te piller dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu inspire. Une autre personne très, à qui a inspiré confiance à Dieu, c'est Moïse. Moïse, c'est un homme intègre. Alléluia. Intègre. Il a inspiré confiance à Dieu. Il était capable de parler à Dieu pour qu'il adoucisse le cœur de Dieu à cause de la méchanceté des gens. Alléluia. Amen. Donc tu vas bâtir ta confiance en Dieu dans un état intègre. N'impressionne pas d'y avoir les sentiments. Seigneur, j'aime bien des fois la présence de l'onction. Comme hier, le soir, c'était fort à la maison. J'étais content. J'aime ça. Même si un matin, la loi, c'était pour ça que j'aime. Mais ça là, si je ne suis pas intègre, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas, mes bien-aimés. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen. Si vous voulez être moins intègre ou compris, un proxy de ça, c'est l'obéissance stricte. Amen. L'obéissance absolue. Amen. À la loi de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu commande, Dieu commande. Toi, tu es capable de le faire pour toi, Seigneur. Tu es né de nouveau parce que le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui te fortifie. Tu puis tout. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas intégré, tu es désintégré. Tu es éparpillé. Est-ce que tu as la paix? Quelqu'un qui n'a pas intégré, tu peux avoir la paix. Une chose, cette chose-là qui est déchirée n'a pas la paix. Parce que quand c'est intègre, on sait qu'il y a un tout, c'est la paix. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cinquième principe. Oh mon Dieu. Allez, nous allons parler quatre dimanches. L'intégrité nécessitera toujours la résistance et la discipline. Amen. Toujours la résistance et la discipline par rapport au milieu ambiant. J'ai pris un terme un peu de votre ambiant, c'est-à-dire le milieu qui vous entoure. Amen. Par rapport à votre entourage. Alléluia. Parce que le péché qui règne à Montréal, c'est le péché qui t'entoure à entrer dans la maison de prière, c'est le péché qui t'entoure à entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, toi qui vis en terre, comme Noé vivait à ce monde-là, comme Enoch vivait dans ce monde, comme l'autre vivait à Sodome et à Sodome, alléluia, tu dois toujours être résistant. En d'autres termes, tu résistes au mal. Amen. Tu te loignes du mal et tu te disciplines. Alléluia. Vous savez, quand tu te disciplines par rapport à quelque chose, quand la discipline devient une habitude, ça devient un caractère. Yes.
Alléluia. Il faut avoir ton caractère. Mon caractère à moi, c'est la loi de Dieu. Pourquoi, posez-moi pour dire que vous allez être des lettres lues. Les gens qui ont les, ceux qui sont des lettres lues de Dieu, c'est les gens intègres. Amen. Par rapport à la loi de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, mes bien-aimés, disciplinez-vous à faire ce qui est de la volonté de Dieu. C'est une grande source de bénédiction. Amen. Amen. Voyons un peu, revenons dans Genèse 19. Genèse 6 d'abord. Genèse 6, nous voyons le cinquième principe. L'intégrité nécessite toujours la résistance et la discipline. Mais bien, mais venez à l'église avec vous, notez. Vous n'allez pas suivre sur YouTube ou sur les sites internet. Notez et pratiquez. Il faut noter. Alléluia. Amen. Genèse 6, je vais lire le verset. Je vais lire du verset 1 à 4. Merveille va nous relire verset 8 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, ils eurent et les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent plutôt que les filles de Dieu étaient belles. Ils en prirent pour femme parmi toutes celles qui étaient choisies. Alors l'Éternel dit : Moi, l'esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les gens étaient alors sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ceux qui furent formés dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc le milieu ambiant de cette époque-là, c'était un milieu du mal. Un peu comme aujourd'hui. Partout où vous voyez, il n'y a que le mal. Et le mal est appelé bien. Et quand tu fais du bien, quand tu es en public, tu fais du bien, on t'appelle une mauvaise personne. Alléluia. Amen. 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 Si vous voulez encore comprendre un peu ce qui décrit un peu la caractéristique des milliers en milliers aujourd'hui, Romains chapitre 1, rapidement, je ne vais pas profiter de parler de ça. Mais oui, allons-y rapidement. Et Romains chapitre 1, verset 28. À 32. Lis-moi ça à haute voix. Je vais expliquer c'est quoi le milieu ambiant méchant où nous sommes. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois résister à ça. Si tu ne résistes pas, cela va t'entraîner. Si tu n'es pas ferme, tu vas t'entraîner par la vague. Amen. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu. Oui, allez-y. Romains 1, chapitre 28 à 32. Romains 1, versets 28 à 32, je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarants, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas ferme, ou celui qui n'a pas intègre, va approuver. On laisse ce mal, c'est pas grave, ce sont juste un sentiment. Donc les hommes peuvent se marier, les femmes, c'est juste leur sentiment. Et non, mais voler un peu, c'est pas grave. Mentir un peu, non, c'est pas grave. Et as-tu trop dur avec les gens? Non. Non. Amen. Tu dois être ferme. Et non, moi, ma ligne de conduite, c'est ça. Je vais m'asseoir avec les gens qui veulent le premier chapitre, elle est décrit aussi très bien. Quand les gens t'entraînent à faire du mal, tu fais quoi? Éloigne-toi. Amen. Tu restes ferme. Donc tu dois les discipliner, résister et discipliner en ça. Pour former un caractère chrétien dans un milieu qui n'est pas chrétien. Les problèmes aujourd'hui, même ceux qui se disent chrétiens, non, ils sont désintégrés. Alléluia. Ce n'est pas intègre.
Tu vois vraiment un pasteur là qui peut faire un travail quelque part, et puis pour payer l'argent, il commence à fuir, il ne va pas payer l'argent. Alléluia. Alors il me le fait et dit, je vais publier ton nom sur Facebook. Je dis, mais on ne voit pas l'argent. Ça se fait pas comme ça là. Hein? Tu dois t'intègre. Pourquoi tu ne dis pas non, mon soeur, je n'ai pas l'argent maintenant là, je vais te payer à tel moment. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Tu dois être intègre. Donc quand tu as, en ce temps ici, c'est ce qui a la méchanceté et à son apogée. Donc toi, enfant des cas, tu marches, sois prudent. Sois extrêmement prudent. Hein? Des suites, non, c'est rien. J'ai dit un enfant du quartier. On vient des mêmes coins. Ah non, mais ils viennent tous des mêmes. Non, on vient du même pays, on vient de la Guinée, de l'Ouest tous. Ok? Ben, vous pouvez tous venir de la Guinée de l'Ouest, l'autre peut être méchant. Tu fais quoi? Alléluia. Tu fuis. Alléluia. Je vais le prier pour une de mes filles là. Je dis, tu sais, moi j'ai pris la tête de cachée dans la chambre. Tu sais, elle là ne va pas être ton ami. Moi je l'ai fait. Tout d'autre, moi je sépare les gens, je l'ai fait. Toi là, moi j'ai pris avec la tête de cachée dans la chambre. Elle va suivre la parole de Dieu. Toi tu vas être, vous allez être, vous pouvez plus être amis. Alléluia. Elle va regarder avec des gros yeux. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Résistez, disciplinez. À l'école, partout où vous allez, disciplinez. Yes. Thank you. Alléluia. Septième principe, l'intégrité de ton cœur. L'intégrité de ton cœur suscitera toujours, écoutez ça, la colère et la jalousie du diable. Sixième. L'intégrité de ton cœur suscitera toujours la colère et la jalousie du diable et ses agents. Dis pas que si tu marches intègre, le diable va être content de toi. Non! C'est pourquoi si tu n'as pas de combat, fais attention. Il se peut que tu n'es pas un vrai de nouveau. Amen. Alléluia. Donc, quand tu marches intègre, tu suscites la colère de l'ennemi, du diable et ses acolytes, de ses agents, les gens qui travaillent pour lui. Et consciencieusement ou inconsciemment, qu'est-ce qu'il croit à lui? C'est elle qui connaît Dieu, lui qui connaît Dieu. Des mots comme ça là. Qui n'ont pas de place dans la chrétienté. On doit être content de nos enfants, de nos filles qui marchent bien, qui se relèvent, qui retournent sur le chemin droit, qui marchent droit. On doit être content. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu vois un enfant, depuis qu'il a grandi, lui il est toujours droit, bien. Bénissez Dieu pour cet enfant-là. Amen. Parce que David n'est pas passé par une adolescence de bêtises. C'est pas une mode que tous les enfants doivent passer, faire des bêtises pendant l'adolescence et puis revenir. Non, c'est pas une mode. Quelqu'un d'autre peut passer directement et c'est des enfants. Depuis qu'ils sont enfants, ils sont droits. Bénissons Dieu pour ces enfants-là. Nous qui étions les rescapés aussi, bénissez Dieu parce que nous avons été sauvés. Alléluia. Pour moi, 29 ans, trop vieux. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. L'ennemi suscitera toujours. Allons dans Job chapitre 2. Ça, c'est très important. Alléluia. Pour que les enfants de Dieu soient vigilants. La bonté que quand tu es intègre, Dieu met une haie de protection autour de toi, le diable ne peut pas t'atteindre. Allons vers la tête de Job, on va voir cela. La vie est là aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit avait raison de me dire la nuit que la barre sera haute? Alléluia. Amen. Amen. Job chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais le lire rapidement. Il y avait un homme dans le pays de Hut, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il craignait quoi? Dieu et s'est détourné du mal. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait le mal, il fuyait. Quand le jour de festin est arrivé, verset 5, Job appelait sanctifier ses fils, puis s'est levé de bon matin, offrait chacun d'eux un holocauste. Quand il dit, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est-à-dire que Job fait. Donc, quand ses enfants sont décédés, aller à la fête, vous savez, après la boisson, il peut arriver beaucoup de choses. Il est supplié Dieu pour les enfants. Il offrait un sacrifice de culpabilité pour les enfants. Il n'avait pas la loi à l'époque. Comment il savait tout ça?
Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant, au verset 7, le clou de notre déclaration, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? N'y a personne sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Alléluia. Satan lui répondit, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu bénis l'œuvre de ses mains, des troupeaux, tu couvres le pays. Et dans ta main, tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan était jaloux. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, avant que je continue, il a perdu ce droit de nous accuser aujourd'hui. Là. Amen. Il peut plus monter nous accuser. Alléluia. Amen. Sa jalousie va l'exprimer par les attaques. Pour te bloquer, pour te distraire. Il va l'exprimer. Mais il ne peut plus aller à la trône t'accuser. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre seulement, je ne porte pas la main. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce jour-là, nous avons eu 4 calamités qui sont arrivées à Job. Il a perdu rapidement. Premièrement, ses bœufs. Deuxièmement, verset 16, ses brebis. Et troisièmement, verset 17, et les chameaux. Et quatrièmement, tous ses enfants sont morts. Au verset 20, le verset nous montre qu'il s'est procédé. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a répondu à l'Éternel. Et que notre Éternel soit béni. Voilà ce qui nous intéresse au chapitre 2. Alléluia. Je fais 7-3. L'Éternel dit à Satan, as-tu encore une seconde fois? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, toi, intègre, craignant Dieu et se tournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'excites à les perdre sans motif. Alléluia. Satan répondit à l'Éternel, pour tout ce qui procède pour un bonhomme, tu le donnes pour sa vie. Et dans ta main, touche ses os, sa chair. Je suis sûr qu'il te mourit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te délivre. Seulement épargne sa vie. Il cherche sur tout le corps. Plaie partout. Souffrance. La femme voit cela, il dit, au verset 8, Job prit un tesson, commença à se gratter sur le sang. Et sa femme lui dit, tu te mets enfermé dans ton intégrité. Maudit Dieu, meurt. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons pas aussi le mal. Il demeura ferme dans son intégrité. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens disent, le mal t'arrive que tu perds ton cœur. Tu commences à agir mal. Hein? Même toi qui es malade, tu es prêt à mourir par exemple. C'est temps d'arranger ton cœur. Ne t'arrange pas avant de mourir. Bénis les gens, pardonne les gens, parle en paix parce que ce qui est derrière ta mort est plus merveilleux que ce que tu es sur cette terre. Alléluia. Parce que j'ai accompagné des gens qui arrivent à la mort, ils sont enragés. Parce que le cœur n'est pas préparé. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Il s'attend quand il marche avec intégrité, il viendra, il cherchera à tes nuits. Toi, tu vas demeurer ferme. J'ai perdu tout ce que je peux perdre. Mais non, mais moi, je vais rester en Jésus-Christ. J'ai perdu tout ce que je pouvais voir. C'est pas à cause d'un divorce, ou à cause d'une maladie, ou à cause d'un manque de travail, que Dieu disparaît. Même toi qui as quitté la prêtrise catholique. Mais, je suis guéri. C'est pas une raison de ne pas de rester sans prier. Cherche Dieu. Ben, j'ai remarqué que ceux qui quittent la prêtrise catholique, la plus deviennent plus païens que les païens. Pour la plupart, voyez un peu. Mais non, cherche Dieu, tu as besoin de Dieu. Demeure intègre, quelle que soit la souffrance que tu as. Et moi, dans tout ce que je manque, je vais demeurer ferme. C'est pourquoi si tu es attaché au matériel, tu es attaché au monde, tu es occupé d'idolâtre, tu ne peux pas être intègre. Les idolâtres ne peuvent pas être intègres. Amen. Hein? Ah, moi, votre passé vous dit qu'il faut que vous m'achetiez une Mercedes. Voyez les autres, on a des Mercedes. Qui a un cœur désintégré, frère? Ça, c'est grave. Depuis quand les Mercedes sont utiles pour le pasteur? C'est le cœur qui est utile pour le pasteur. Amen. Parce que quand ton cœur est intègre, tu peux parler à Dieu pour tes brebis, Dieu va écouter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas d'intégrité sans fermeté. Qu'on ne trouve pas que tu es trop ferme. On doit être ferme. Je ne dis pas méchant. Je dis être ferme. C'est-à-dire, quand il s'agit de la Bible, il n'y a pas de négociation. Amen.
c'est la Bible, moi je reste dedans. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu peux prendre de l'eau chaude, mais j'étais quoi, quoi? Non, si c'est la Bible, je reste dedans. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut même prendre Daniel 11, verset 32. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'écris parce que je pense à l'histoire de la chauve-souris. Hein? Hein? Ma fille Louise. Hein? Toi, on tue la chauve-souris et puis on ne te voit pas dimanche prochain. Hein? Ah, toi, tu es un bon, vous avez un bon papa. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Daniel 11, verset 32. Amen. Allez-y. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Avec fermeté. Tout ce que le diable vient proposer a comme but de désintégrer ton cœur. Que ton cœur soit éparpillé. Et tu sois bien en paix. Tu sois bien. Parce que celui qui n'a pas un cœur intègre n'a pas de paix. Quand tu as un cœur intègre, tu as l'assurance devant Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. La stricte obéissance à Dieu, il n'y a pas d'égal source de bénédiction que celui-là, d'être obéissant à Dieu. Ce n'est pas le légalisme. Ah non, toi aussi tu es trop dur. Trop dur par rapport à quoi? On ne peut pas être trop dur si on est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le même texte, Pierre le dit encore très bien. 2 Pierre 3, verset 17. 2 Pierre 3, verset 17. Amen. Alléluia. C'est quoi ça? On va nous parler 3 dimanches, ça. 2 Pierre 3, verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons le sous-principe, pas d'intégrité sans fermeté. Si tu n'es pas ferme, ton cœur va être dévié à gauche ou à droite. Ton cœur va désintégrer. Tu vas laisser le mal entrer. Tu ne peux pas garder ton cœur si tu n'es pas ferme. Il faut être ferme. Ferme, ça dit que ce qui est les propositions du diable, que ça vient par moi-même, que ça vient par les diables, que ça vient par les circonstances, comme par Job, j'ai dit non, tu n'entreras pas dans mon cœur, je ne pécherai pas par ma bouche. Amen. De Pierre, chapitre 3, verset 17. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Alléluia. Amen. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Où sont les impies? Millions, millions. À l'école, au travail, il y a aussi des faux chrétiens à l'église aussi. Amen. C'est ça les impies. C'est les gens qui vont te dire, ah, toi, si tu es trop. Essaye encore un peu. Quand vous avez dit qu'avant le mariage, vous vous êtes gardé. Essaye un peu. C'est la fausseté, ça. Amen. C'est la stupidité du diable. Le diable, quand il va te voler, va te proposer des choses incroyables. Toi, tu résistes à ça, tu es enfant de Dieu. Ce que tu prépares en te privant pour entrer dans une bénédiction de Dieu, c'est une préparation pour une grande bénédiction qui arrive. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. L'impie là te proposera toujours le mal. Et quand il ne voudra pas, on va le montrer au président qu'on a vu, il sera jaloux de toi. Amen. Parce que c'est un enfant de diable, il va être jaloux de toi. Au travail, ah, c'est là où tu crois. Nous, quand on cause des pauvres, il est toujours dans le coin. Il dit quoi? Oh, il dit la Bible. Oh, ce chrétien là. Et ils ont compris combien de trompes est sorti. Ils n'ont pas compris, hein? Ils n'ont pas compris. Hein? Alléluia. Dieu, quand il veut faire ces choses, vous punir les gens, il va vous punir. Restez ferme, vous, enfant de Dieu. Laissez pas les proportions extérieures venir envenimer votre cœur. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu étais seul devant lui. Mais maintenant, garde ton cœur. Demeure ferme. Alléluia. Amen. Demeure ferme. Alléluia. Quelle que soit la colère du diable, les proportions du diable qui viennent te causer, fait des attaques. Des fois, il veut attaquer les enfants. Il fait, toi, refuse, tu dis, moi, hey, tu peux tout prendre. Je vais rester attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la vie continue après la mort. Parce que le but de la souffrance, c'est de continuer à la mort, non? Mais la mort, Jésus, la Bible dit, où est ton aiguillon? Pourquoi? C'est parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Septième principe et le dernier que nous voyons avant d'aller dans... C'est quand on va, c'est le dimanche prochain, je vais donner des principes. Amen.
un homme et une femme intègre perdraient tout sur cette terre, sauf son âme. Amen. Vous pouvez nous ravir des choses, vous pouvez les faire entrer en prison, vous pouvez faire de tout ce que vous voulez, mais lui, son âme, il ne va pas les perdre. Parce qu'il est intègre. Vous pouvez jeter sur lui des fausses accusations, vous pouvez sur lui l'attraper comme au Congo, là, donc la justice est devenue une manière de punir les gens qui sont contre le gouvernement, même les jeunes gens qui réclament selon la constitution. C'est insensé. On est en 2016, les méthodes. Ces gens, c'est quoi comme nous, on a mis 1050. On est en 2016. Au Congo, les gens font 1050. 2016. Vous arrêtez encore les gens parce qu'à cause de l'opinion, mais c'est quand même grave. Alléluia. C'est la même chose en Guinée, c'est la même chose en Afrique, un peu partout en Afrique, là. Hein? Au Madagascar aussi, un peu. Mais partout, les gens ne veulent pas avancer. Ils aiment vivre avec des cœurs désintégrés, mais pas des cœurs intègres. Quand quelqu'un ministre est intègre, vous allez voir, au prochain gouvernement, on fait quoi? On ne signe pas les documents pour se faire sauter l'argent. Donc l'homme intègre, dans ce temps ici, devient ennemi. Il est intègre, mais il est ennemi des gens. Ces gens qui font le mal, tous les impies, les gens qui aiment le mal. Parce que la corruption, par exemple, dans ces pays où la corruption est tout le temps, si toi tu ne reçois pas la corruption, tu dis ah non, il est dans ta faux cop. Donc ça dit que lui là, il ne faut pas couper un cop, ça dit que c'est la corruption au Congo, comme c'est généralisé. Hein? Il est trop droit, trop logique. Non, un chrétien doit être extrêmement logique. Amen. Selon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons Job chapitre 2 que Job a perdu quoi, mes bien-aimés? Il a perdu tous ses avoirs. Il a perdu son corps. Mais il n'a pas perdu son âme. Alléluia. Je viens encore citer des Job. Je vais commenter si encore cela. Il n'a pas perdu son âme. Alléluia. Il n'a pas perdu son âme. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? Au verset 6, l'Éternel dit à Satan, je te le livre, épargne sa vie. Cela se retira devant la fin de l'Éternel, il fera pas de ce malin de la plante du pied jusqu'à où? À la tête. Tout plaît. Alléluia. Mais voyez ici, au verset 10, Job répondit, la femme dit, tu demeures ferme dans son intégrité. Maudit Dieu meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Cette personne qui souffre. Donc tu dis, mais parle mal, toi aussi. Ils t'ont fait du mal, parle mal. Va encore les saccager. Toi, enfant, tu dis, non, moi, mon père dit, j'ai rendu toujours le bien à celui qui m'a fait du mal. Et j'ai rendu aussi le bien à celui qui m'a fait du bien. Job n'a pas prêché et il dit à Dieu, nous recevons de Dieu le bien, nous recevons pas aussi le mal. En cela, en tout cela, Job ne prêcha pas par ses lèvres. La souffrance ne l'a pas poussé à maudire Dieu. Elle dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dis jamais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? La Bible dit que l'homme se prenne de quoi? De ses propres péchés. Alléluia. Amen. Quand tu marches et tu intègres, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui intègre perdrait tout, sauf son âme. Alléluia. Il va garder son cœur, Seigneur, même si je suis un petit lit. Moi, je pourrais mettre dans un hamac. Oui, je ne suis pas compliqué. Pas compliqué à manger, pas compliqué à dormir. Je peux dormir sur une hamac même comme ça. Là. Paf, je suis parti. Alléluia. Parce qu'à un moment, il faut savoir être séparé de toutes ces choses du monde. Amen. Si tu n'es pas séparé du monde, c'est difficile que ton cœur soit intègre. C'est chaud. Abraham était intègre. Était-il riche ou pas? Il était riche. Mais ce jeu était sur sa richesse tous les jours comme ça là. Est-ce que sa richesse a servi à faire le mal autour de lui? Non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Proverbe 11. Alléluia. Alléluia. Proverbe 11, verset 3 à 5. Nous lisons. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détruits les profits causent leur perte. Je vais revenir sur ça quand je vais enseigner sur le bénéfice après.
Mais comme principe, nous sortons que l'intégrité marche toujours avec la justice. Amen. Les gens qui sont intègres aiment la justice. Amen. C'est eux qui aiment les têtes du roi dans leur pays. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intègres, qui peut-être n'ont pas encore connu Jésus. Par rapport au principe de leur vie. Par rapport au principe de leur association. Par exemple, si votre constitution dit respecter ça, ça, ça. Celui qui respecte, il t'intègre par rapport à la constitution. Bien qu'ici nous parlons de l'intégrité avec les divins, avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Toujours avec la justice. Tu peux me dire que tu es intègre et puis tu te réjouis de l'injustice. Pourquoi la Bible dit l'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. L'homme intègre se maintiendra toujours de la vérité. Amen. Un de mes amis et un policier prolifique au Congo, je l'ai défendu contre va et marée devant tout le monde. Il dit, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Mais là, il a déçu complètement. Mais j'ai dit à ces gens, appelé ces gens, j'ai appelé celui qui représente son parti, j'ai dit, là, votre chef ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. Donc, l'intérêt général a disparu dans son cœur. C'est l'intérêt personnel qui entre maintenant là. Et ça, c'est dangereux. Et moi, avec déjà, je ne marche pas. Alléluia. Amen. L'injustice, tu ne tolères pas. À l'intérieur familial, à l'extérieur familial, partout. L'injustice, tu ne tolères pas parce que tu es une femme, un homme, intègre. Alléluia. Amen. 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 Dimanche prochain, je vais prendre quelques principes. On va continuer avec les bénéfices d'être intègre. À quoi ça sert d'être intègre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À quoi ça sert d'être intègre? Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup, il y en a au moins 9 bénéfices. Ça va nous prendre dimanche prochain à l'entier. Je vais vous en partager quelques-uns aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le premier principe, on va y revenir dimanche prochain. Quand tu es intègre, alléluia, qui sait que Dieu a des projets pour nous? Amen. Qui sait que chacun d'entre vous, originalement, avant que tu ne naisses, Dieu a un projet pour toi? Amen. Et qui sait aussi qu'il y a l'ennemi qui veut contrecarrer ses projets? Yes. Alléluia. Si tu veux que le projet de Dieu dans ta vie soit détruit, ne sois pas intègre. Alléluia. Amen. Amen. Les premiers principes que nous voyons, l'intégrité permet que le plan original de Dieu nous protège. Je m'explique. L'intégrité permet que le plan original de Dieu nous protège. Comment un plan peut vous protéger? Un plan de Dieu fait de quoi? Des décrets, des promesses de Dieu. Et c'est la vie, ce que Dieu décrète. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur toi, s'il trouve en toi un cœur intègre, cela te protège. Amen. Cela s'accomplit. Alléluia. Donc les gens peuvent venir avec des balles vers toi, à gauche, à droite, ça ne marchera pas. Tu n'as pas gêné des fois, tu n'as pas prié des fois, mais tu es protégé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand on est intègre, on est protégé par les plans de Dieu. Les plans de Dieu pour toi ne peuvent pas te protéger si tu n'es pas intègre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parlons un peu dans Proverbe 10. Proverbe 10, verset 29. Je ne vais pas trop vous en donner aujourd'hui. On va prendre ces principes-là et puis on va terminer pour côté dimanche prochain. Alléluia. Proverbe 10, verset 29. Sœur Merveille, tu peux nous lire cela. Au nom du Seigneur, la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Amen. Alléluia. Amen. On va les prendre avec des. Prends Proverbe 13, verset 6. On va les lire aussi. Proverbe 13, verset 6, sur le nom du Seigneur. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Alléluia. Revenons du Proverbe 10, verset 29. Je lis dans français courant. Il dit, le plan du Seigneur protège les gens intègres comme une forteresse. Donc, ce que Dieu a décrété sur toi, c'est une forteresse qui ne peut pas être brisée si ce n'est que toi-même tu ouvres la porte à devenir malhonnête, à devenir
désintégré. Mm-hmm. Tu n'es pas intègre. Alléluia. Amen. C'est pour ne dire pas que Dieu n'est pas bon. Quand nous disons que Dieu est bon, c'est qu'il a une destinée de bonté pour nous. Les plans de Dieu pour la race humaine étaient quoi? Le salut. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Alors, quand la race a commencé à se corrompre, dans le texte de Genèse, il y a eu quelqu'un d'intègre sur qui le plan de Dieu a protégé. Il s'appelait Noé. Noé a été protégé par le plan de Dieu. C'est pourquoi il est entré avec toute sa famille pour continuer et repeupler encore la terre. Alors, vous comprenez cela? Amen. Alors, chaque fois que tu n'es pas intègre, tu bloques le plan de Dieu. Il ne te protège pas. C'est le décret de Dieu. C'est que Dieu a dit même quand tu as vu, même où Dieu t'appelle, dit tu seras ça. C'est un décret de Dieu. C'est une forteresse que Dieu a établie pour toi. C'est pourquoi quand il t'appelle à quelque chose, tu viens bouger à toi, tu vois que ça ne marche pas. Voilà. Tu dois être, tu sais, tu comprends. Hey, Dieu m'a dit, tu vas trouver la paix avec le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. On va y entrer en profondeur dimanche prochain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je prends encore un autre texte pour vous préparer à dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ. Levez-les, nivellez tout dans la joie maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chique, me rendakaï. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chique, me rendakaï. Oh, sakai. Oh, le chique miracle, le miracle de paix. Oh, chique, me rendo ramachia. Oh, rendez-vous de Dieu. Oh, rendez-vous de Dieu. Alléluia, alléluia. Un autre exemple que vous venez de voir avec, prenons Job. Le plan de Dieu pour Job, c'était quoi? Vous connaissez le plan de Dieu? C'était la bénédiction, la double bénédiction. C'était la double bénédiction. Il devait passer par un désert. Alléluia. Donc, le plan de Dieu l'a protégé. Tous les temps qu'il a souffert, il a perdu les enfants, il a perdu les animaux, il a tout perdu. Jusqu'à arriver avec la même femme, à avoir encore des enfants et avoir le double de tout ce qu'il avait perdu. Donc, le plan de Dieu l'a protégé parce que lui, il était intègre. Parce que son cœur craignait Dieu. Parce que son cœur était obéissant. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Dimanche prochain, on va continuer. Il y en a, je vous assure, 9 bénéfices de l'intégrité. Le but de l'enseignement est quoi? Mais quand vous marchiez et que le diable vous voit, il soit tellement jaloux de vous dire, ce qui passe là? Amen. Il voit là-bas, c'est une fille, un enfant de Dieu intègre qui ne marche pas là. Alléluia. Amen. Amen. En ce moment, on va voir dimanche prochain, il y a tout est scripturé que nous allons voir sur les bénéfices de l'intégrité. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Père de grâce encore pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. Ton esprit disait la nuit, la barre sera haute. Aide-nous à appréhender ce que tu nous as dit aujourd'hui, à l'intérioriser et à le vivre au Père Céleste. Tu as dit à ton serviteur, à ton prophète Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La même parole est répétée pour nous et les enfants que tu as mis sur mon chemin au Père Céleste. Que nous soyons, nous marchons devant ta face, ô Père Céleste. Et que nous soyons intègres. Par le Saint-Esprit, nous pouvons cela. Père, nous te disons merci. Encore en ce moment encore, tout ce qui, ô Père, qui est contraire au Père, à ce que tu as enseigné aujourd'hui. On veut parler d'un cœur double. On veut parler d'un cœur qui n'obéit pas à Dieu. Donc, un cœur, ô Père, qui ne te plaît pas. C'est le merci encore d'aider tes enfants à se repentir de ce mal, ô Père Céleste. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que tu as semé aujourd'hui dans nos cœurs va demeurer et va porter des fruits. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Louons-le.